Chers enfants, bonjour à tous. Le mercredi 11 novembre, c'est un jour férié. On ne va pas à l'école, on ne travaille pas. Vous savez pourquoi? C'est parce que, en fait, on se souvient de l'armistice, c'est-à-dire la paix signée pendant la Première Guerre mondiale, à la fin de la Première Guerre mondiale. Ce que vous savez peut-être pas, c'est pourquoi on a choisi cette date du 11 novembre. Ça aurait pu être le 9, le 10 ou le 13, je sais pas. Eh bien, on a choisi cette date du 11 novembre parce que c'est le jour d'une fête d'un grand saint qui était très apprécié, très aimé en Allemagne, en France et partout aussi dans l'Europe et dans le monde. C'est Saint Martin de Tours. Alors Saint Martin, qu'a-t-il fait pour être aussi aimé et connu et qu'il soit à ce point un signe de paix et de réconciliation ? Mais Martin est né en l'an 316, il y a bien longtemps. Il naît dans une province de l'Empire romain. L'Empire romain, vous savez, était immense, il faisait tout le tour de la Méditerranée. Son papa est d'origine de l'Italie, mais il est un officier important de l'armée de l'Empire romain. Et il est en garnison en Pannonie, c'est une région qui correspond à la Hongrie aujourd'hui. Vous voyez, en Europe de l'Est, en Europe centrale. Martin a donc son papa qui est officier romain et qui est de religion païenne. En fait, c'est-à-dire qu'il s'intéresse aux divinités traditionnelles des Romains que vous connaissez, Jupiter, Vénus, Saturne, etc., Mars, dieu de la guerre, etc. Comme vous savez, quand vous allez à Rome, chaque temple a un nom de dieu différent. Mais la maman de Martin est chrétienne. Et Martin, le jeune Martin, quand il a votre âge, eh bien, il est un peu entre les deux. Peut-être que ça ressemble à chez vous, souvent entre les parents, pas toujours au même point, les mêmes convictions religieuses. Eh bien, le jeune Martin va lui aussi se positionner et il veut choisir Jésus, il veut choisir de devenir chrétien. Alors, quand il grandit, il devient catéchumène, c'est-à-dire qu'il se prépare au baptême. Vous savez, quand on a la vie devant soi, on se dit ben ça vaut le coup de préparer un peu longuement son baptême pour pas faire les choses à la va-vite. Et donc, il veut recevoir son baptême, mais avant, il doit se soumettre à l'obligation qu'il a de servir l'armée, parce qu'il est fils de militaire, parce qu'il est un citoyen de l'Empire romain, il doit servir l'armée pendant 3 ans. Et l'armée l'envoie dans une autre province de l'Empire qui s'appelle la Gaule, qui est donc l'ancêtre de la France. Et il est envoyé dans une ville du nord de la France qui s'appelle Amiens. Alors, c'est à Amiens que se déroule un événement bien connu de la vie de Martin. Peut-être que vous avez cette image en tête. Un soir d'hiver où il fait très froid, Martin passe avec d'autres officiers près de la porte fortifiée d'Amiens et il voit un pauvre qui est tout dévêtu. Personne ne fait rien, Martin lui est saisi de pitié et il prend sa cape, son manteau et avec son glaive il le sépare en deux et il recouvre le pauvre de son manteau. C'est un beau geste de partage, un beau geste de générosité. Mais si ce geste est tellement connu, c'est parce que la nuit même, Martin va se coucher et pendant la nuit, il fait un songe, un rêve. Dans ce rêve, il y a Jésus qui lui dit « Martin, qui n'est encore que catéchumène, m'a couvert de ce manteau. » Il voit Jésus recouvert de son manteau, de son demi-manteau. Alors, Martin comprend alors que, à travers ce geste de bonté, eh bien, c'est le cœur de Jésus qui l'a touché. En faisant du bien à ce pauvre, c'est aussi à Jésus qu'il a fait du bien. C'est ce qu'on va appeler la charité. C'est quand la bonté qu'on a autour de nous, elle a une valeur plus grande encore, parce que Dieu agit en nous à travers ce geste, et que aussi Dieu reçoit ce bon geste pour lui-même. C'est valable aussi pour les mauvaises choses qu'on fait quand je fais du mal à quelqu'un, petit ou grand,
eh bien, c'est aussi le cœur de Dieu que je blesse. Voilà. Mais la charité est telle que pour les gens qui n'ont jamais entendu parler de Dieu, on ne leur a pas raconté, on n'a jamais témoigné auprès d'eux de la foi en Jésus, eh bien, on peut penser qu'au jour de leur mort, peut-être Jésus leur dira aussi, eh bien, tu m'as fait du bien dans telle et telle situation, et peut-être que ça sauvera un grand nombre. Voilà, vous voyez cet acte de Martin qui est si connu et qu'on trouve représenté dans notre église de Verneuil, parce que notre église s'appelle Saint-Martin de Verneuil. Il y a aussi Saint-Martin de Triel. Il y a plus de 300 églises dans les Yvelines qui s'appellent Saint-Martin, 3600 en France et des centaines de villes ou de villages qui s'appellent Saint-Martin en France, c'est dire combien il a marqué. Alors j'ai un petit jeu pour vous. Au retour de l'école ou à travers votre promenade autorisée dans la journée, vous pourrez aller voir la statue de Saint-Martin dans l'église de Verneuil. Saint-Martin qui justement donne la moitié de son manteau à un pauvre. Et vous chercherez sur le socle de la statue, qui supporte la statue, j'ai placé un petit objet original qui n'a rien à faire là normalement. Et vous allez découvrir qu'est-ce que c'est que ce petit objet. Et le premier d'entre vous qui le dira aura gagné sûrement une fraise Tagada. J'ai aussi une petite question pour vous. Voilà. À votre avis, pourquoi Martin donne-t-il seulement la moitié de son manteau? Pourquoi il ne donne pas son manteau en entier, au fond? Et si vous faites une petite recherche, peut-être vous avez déjà entendu l'histoire, vous allez voir que c'est très intéressant. Pourquoi il donne que la moitié de son manteau? Voilà, chers enfants, je vous dis à très bientôt, bonne semaine, et que le Dieu vous bénisse.